Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche. J'espère que vous, chez vous, vous allez bien. Parce que moi, chez moi, je vais très bien. Hormis le petit rhume que je suis en train de choper. Je sais pas ce que j'ai chopé une merde. Je suis enrhumé, j'ai mal au crâne, j'ai des courbatures. Donc j'espère que je me sens pas en train de me choper encore cette putain de grippe de merde. Bref, là je me dépêche parce que j'attends mon bus, je viens de rentrer de Paris. Je vous parlerai tout à l'heure, mais comme vous avez vu, j'étais au Lido hier soir. Donc j'ai eu la chance et la surprise d'aller au Lido. Donc je vous ai mis des petites séquences, donc j'espère que ça vous plaira. C'était vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de le faire, allez au Lido parce que vous en prenez plein les yeux. Ça restera dans mon tête comme ça. Et c'était vraiment très agréable, très beau, très. Tout était très bien. Sincèrement, tout était très bien. Du coup, j'ai dormi chez Fanny hier soir. Là, on est jeudi. Je viens de rentrer. Je devais aller chez le tatoueur et du coup, j'y suis pas allé. Donc, j'irai la semaine prochaine. C'est pas très grave parce que oui, je vais me faire un nouveau tatouage. Je ne vous dis pas où, mais ça sera la surprise. Mais il va être beaucoup plus gros. Et beaucoup plus cher. Et donc là je suis rentré, j'ai pris ma douche, je me suis préparé, j'ai mon appartement arrangé comme d'habitude et je me dépêche, je vais aller chez Jiffy parce que j'ai vu sur le prospectus qu'il y avait un globe or, un petit peu or et noir, et je le veux absolument. Donc je vais aller y aller vite fait, j'ai 2-3 courses à faire et voilà. Donc dès que je rentre, je vous montre tout ça en vidéo comme d'habitude les amis. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos nombreux messages parce que j'en reçois énormément chaque jour et je vais vous parler d'un projet dans cette vidéo que vous allez kiffer. Et je vais vous parler également des bougies pour la date de lancement. Donc restez connectés et je vous dis à tout de suite. Les amis, je viens de rentrer de chez Jiffy à l'instant et je voulais vous mettre, je vous montrerai ça un peu plus tard dans le vlog. Il fallait que je vous montre rapidement la couette parce que je vais l'installer tout de suite. J'ai décidé de me racheter une couette parce que Brume a fait pipi 2 fois en l'espace d'une semaine sur ma couette. Je sature, je n'en peux plus. Là je sature de brume, clairement je n'en peux plus, je peux plus rien avoir, elle pisse partout, c'est une catastrophe. Donc alors je sais, vous allez me dire oui, essaye Philly, ouais, essaye ça, essaye si, j'ai tout essayé, hein, clairement. Donc j'ai pris cette couette chez Jiffy, donc c'est la douceur de nuit, je l'ai prise en 220 par 240 et en fait je l'ai ouvert et c'est exactement la même matière que les oreillers que j'ai acheté chez Action. Donc je suis hyper content de l'avoir trouvé chez Jiffy cette couette, donc je vais dormir avec cette nuit forcément. Et je vous dirai ce qu'il en est et si j'ai bien dormi. Mais voilà, ils disent que c'est une couette pour 2 personnes. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Je peux la laver à 90 degrés, donc c'est plutôt pas mal. Elle est assez légère quand même. Mais voilà, donc je vous dirai, je vais l'ouvrir après et je vous montre ça juste après. Et j'ai acheté pas mal de petits trucs sympas. Et je vous montre ça de toute façon juste après. Bon les amis, je voulais vous montrer rapidement aussi, je suis allé faire des courses à Picard, pousse-toi. Donc j'ai repris des frites, j'ai pris des quiches Lorraine, j'ai pris des frites de patates douces, j'ai pris de la soupe patates douces noix de coco, plat préparé, du pain complet pour mon petit déj, j'ai pris du riz basmati, j'ai pris 2 mini calzone et j'ai pris des petites éclairs salées. Donc on verra bien si c'est bon ou pas. Et après c'est de la litière et de la boisson. Donc voilà, je voulais vous montrer rapidement un petit peu ce que j'ai acheté chez Picard. Donc chez Action, j'ai rien trouvé du tout d'intéressant. Mais alors vraiment, je me suis repris un dentifrice, un déo, des rouleaux pour les poils et un Airwick pour mettre dans mon couloir. Voilà, j'ai rien pris d'extraordinaire, mais alors vraiment, il n'y a rien du tout en ce moment. Chez Jiffy, j'ai trouvé ce que je voulais me prendre en fait. Donc, je me suis pris ça. Elle est vraiment très très belle. Vraiment, je suis vraiment tombé en amour là-dessus et je le voulais absolument. Je l'ai vu dans le prospectus et je me suis dit, je la veux, il en restait 2. Et du coup, je l'ai prise. La finition est plutôt jolie. Elle a un effet un peu vieilli qui donne justement le côté. Un peu vintage de la Mad Monde. Donc voilà où j'ai trouvé ça. Donc c'était au prix de 20 euros, il me semble. Ensuite je me suis pris ça. Alors attendez, je vais le mettre dans le bon sens. C'est le potager d'intérieur. Donc ça pareil, hein, vous le trouverez chez Jiffy. Je l'ai payé 39 euros je crois, ou 40 euros. Et j'en voulais absolument un. Mais à chaque fois je trouvais ça trop cher. Il y en avait chez à la Fnac, mais c'était 100, 120, 130 euros. Et je me suis dit, je trouve ça trop cher quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu ça. Et du coup, ça se présente comme ceci.
Donc là j'ai pas forcément le temps parce que je pars au travail dans 20 minutes. Enfin dans 20 minutes, un peu plus de 20 minutes. Mais je vloguerai ce soir. Parce que ce vlog, comme vous avez vu à chaque fois, il est en énorme décalage. Donc je vais essayer de le faire ce soir pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc vous avez la lampe, vous avez également les petits pots pour planter. Et du coup moi j'ai racheté en complément. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça dans la logique même de ce que j'ai acheté. Sinon j'ai acheté une balance, parce que j'ai pas de balance pour faire la cuisine. J'ai racheté des éponges. J'ai acheté un stylo écrit Maxime. Pour le boulot, il m'en fallait un. J'ai repris de la lessive. Et j'ai pris également les graines. J'ai pris également ça pour mon boulot aussi, écrit Maxime. J'ai pris du thym d'hiver, du persil. J'ai pris de basilic. Et j'ai repris du terreau spécial pour aller aussi dans les petites... des petits trucs à l'intérieur là. Et j'ai pris également de la coriandre. Je sais pas vous, mais j'adore la coriandre. Je suis un hystérique de coriandre. Et voilà. Donc du coup je ferai ça je pense ce soir ou demain. Comme ça je pourrais vous montrer dans le vlog un petit peu comment on fait et ce que ça donne un peu fini. Parce qu'à chaque fois je vous montre mais je vous montre pas le final. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. Et j'ai également acheté la couette que je vais vous montrer aussi un petit peu plus tard dans le vlog. Mais la couette est vraiment d'une très bonne qualité et je vous montrerai ça juste plus tard dans la journée. Parce que là je vais au travail les amis. Donc écoutez moi je sors de la douche, nous sommes samedi, je vous vlog ça ce soir ou demain. Et de toute façon le vlog doit être sorti demain à 18h. Donc j'essaye de faire au mieux et au plus vite pour vous montrer le vlog. Et j'ai une gueule les gars. Mais alors là, waouh, le contre-jour est assez violent hein, et je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps et je suis malade. On adore ma vie, c'est génial. En ce moment je chope toutes les merdes qui existent au monde. Voilà, on adore. Bref, je vous laisse, passez une bonne journée. Moi je file au travail, me préparer, me make-uper, tout ça tout ça. Et en plus il fait super beau aujourd'hui. La frustration de bosser. Mais bon, je ne bosse pas dimanche et lundi. Donc je vais pouvoir faire de gros dodo. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard, bisous. Je suis en train de faire mon petit ménage. Il y a Mademoiselle Kaline qui est en train de jouer là-bas. Brume, je ne sais absolument pas où elle est. Et je vais commencer à planter mes petites semences. Donc, comme je vous avais dit, j'ai pris du thym, du persil, de la coriandre et du basilic. Et nous allons brancher tout ça et voir ce que ça va donner. Hop. Alors je sais pas si je vais réussir à faire ça d'une main, je ne suis pas sûr. Donc je vous reprends juste après, je branche, je branche tout ça. Alors je viens d'installer ça, donc c'est très simple. Vous avez le bac avec les quatre petits pots, vous avez l'éclairage juste ici. Donc je vais le brancher, vous avez également l'interrupteur ici, hop. Donc j'ai mes semences ici et je vais quand même essayer au moins un minimum de lire le mode d'emploi pour pas faire de conneries. Et je vous retrouve donc l'eau, neuralon électrique, nani. Donc je vais lire ça quand même à tête reposée et je vous montre. Mais en tout cas il est vraiment très beau et pour les personnes qui n'ont pas forcément les finances de mettre 100 et quelques euros dans un petit potager d'intérieur, bah clairement ça fait carrément le job quoi. Alors maintenant je viens de brancher le petit truc. J'ai mis également de l'eau, donc comme vous pouvez le voir j'ai mis le petit terreau et l'eau. Et maintenant j'attends que le terreau gonfle, juste ici, vous voyez c'est assez magique, ça ressemble à un petit truc. Et après c'est un grand terreau, vous voyez, hop. Et ensuite je vais pouvoir planter bah, toutes mes petites herbes directement dedans. Alors maintenant je viens de mettre les semences. Alors je me suis un petit peu enflammé, hein, donc pas la peine de me le dire en commentaire. Je me suis un peu enflammé sur les semences, mais bon c'est pas gênant. Pour avoir fait plein de potagers à l'époque et tout, il n'y a aucun souci. Mais donc j'ai fait coriandre, persil, thym, ciboule et je sais plus quoi. Donc là je suis en train de rajouter juste un petit peu de terreau pour recouvrir la chose juste en dessus. Et puis maintenant on va laisser faire la nature. Hein. Donc on va suivre ça attentivement, n'est-ce pas? Et voir bah, si c'est bien un petit potager d'intérieur ou inutile. Mais bon. Écoutez, j'ai un balcon, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir un petit potager d'intérieur. Je trouve ça quand même très design. Hein. On va pas se mentir, c'est assez design. Puis on verra bien si ça fonctionne, quoi.
Donc voilà. Là pour l'instant ça restera comme ça, sachant que ma cuisine elle est en mode travaux, donc pour le moment ça sera comme ça. Je vais reprendre les travaux de ma cuisine, donc je pense que j'aurai largement un endroit pour pouvoir mettre mon petit potager. Sachant que comme je vous ai dit ici j'aimerais un plan de travail, donc je pense que ça pourrait aller dans l'angle. Donc voilà, maintenant plus qu'à attendre que ça pousse, je vous tiens au courant de toute façon. Il me tarde de voir ce que ça va donner, donc c'est une découverte pour moi. Donc on verra si dans quelques semaines je vais pouvoir déguster mon basilic magnifique, ou mon thym, ou mon persil, ou ma coriandre, quoi. Les amis, écoutez, je viens de me réveiller, nous sommes dimanche. J'ai eu une longue journée hier au travail. Je voulais également vous parler d'un projet que je vais faire pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir. Je vais relooker, refaire, comme on dit, le home staging chez une de mes très bonnes amies qui s'appelle Fanny. Donc je vais lui refaire tout son appart, que ce soit les travaux et que ce soit la déco, le avant, le pendant, le après. Et je vais le faire en genre de mini-série, donc un peu genre comme D&Co sur M6, vous voyez, avec Valérie D'Amido, mais façon Maxime Makeup. Donc dites-le moi si ça vous intéresse de voir ça en vidéo sur ma chaîne YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je pense que le tournage sera prévu pour mi-mars, fin mars, je pense, et que la vidéo sortira début avril. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de boulot parce que dans son appart il y a quand même un petit peu de peinture à faire, enfin un peu de plâtre, un peu de changement de lunaire, enfin il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc j'espère que ça vous plaira et je sais que la déco vous allez aimer parce que chez moi au bout d'un moment vous avez fait le tour. Donc on ira en shopping ensemble, on ira choisir la peinture ensemble. Ça sera vraiment une vidéo assez travaillée et pas comme un système de vlog. Ça sera vraiment un mélange des deux. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous plaira ce genre de vidéo. Et je voulais également vous parler de ma création de bougies dans cette vidéo. Je vous en reparlerai dans une vidéo un peu plus détaillée, mais vous ne me posez pas du tout la question pour le coup. Mais pour les personnes qui ont participé à la cagnotte, je trouve ça normal de vous en parler un minimum. Donc en fait, j'ai pris la décision avec ma banquière, la personne qui s'occupe de moi et le créateur de bougies qu'il fait avec moi, de les sortir que à la rentrée. Tout simplement parce que là on va arriver au printemps et c'est pas forcément la bonne période stratégique pour sortir des bougies. Donc je pense que vous comprendrez. Donc après, oh, j'ai un chat dans la gorge. Mes bougies sont quasiment prêtes, il me manque juste le logo à finaliser et à déposer ma marque. Mais je pense que ça sortira aux alentours de octobre, voire peut-être septembre, mais je pense plutôt octobre. Et j'aimerais beaucoup que ça sorte pile poil pour mon anniversaire, donc je suis du 16 novembre. Donc la stratégie sera beaucoup plus logique, je pense que vous comprendrez. Donc ça demande encore quelques mois de patience, mais du coup j'ai voulu m'emballer à sortir tout en 2 mois et en fait c'est pas possible. Je me suis un peu enflammé pour le coup, en termes de qualité, en termes de projet et même financièrement, je me suis un peu enflammé pour sortir tout rapidement. Donc un beau projet se réalise pas en 2 mois. Donc je pense que vous le comprendrez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais de toute façon, tout l'argent que j'avais mis de côté pour ma création de bougies et sur mon compte, donc je peux même pas y toucher parce que je l'ai bloqué, comme ça je suis sûr de pas y toucher. Et votre cagnotte également, donc en tout cas merci beaucoup. Et je vous tiendrai au courant de toute façon, mais je voulais vous en parler un peu sur YouTube et je vous en parlerai également sur Instagram. Voilà, donc je vais vous laisser parce que je suis encore malade, j'ai mal à la gorge. Et je vous fais des petits bisous, je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo à 18h. En ce moment je suis pas très régulier, mais ça va revenir. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Et je vous fais des bisous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous fais des bisous bisous sur votre joujou. Et surtout, likez, commentez et abonnez-vous juste en dessous.